Good morning, allez, Iden, les sutres aujourd'hui, le Lingishmak, Mourid Rabbi, Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarbat ben Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Menachot, Perek Zayin Mishnah Gimel. Ashochet et Atoda Bifnim, Velachma Chutz Lachoma, Lo Kadash Haneichem, Shchata Ad Shelo Karmu Batanur, Vafelu Karmu Kulan. חוץ מאחד מהן, לא קדש עליכם. שחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה, קדש עליכם. שחטה ונמצאת טרפה, לא קדש עליכם. שחטה ונמצאת בעלת מום, רבליעזר אומר, קדש. חמי אומרים, לא קדש. שחטה שלא לשמה, וכן אלה המילואים, וכן שני כבשי עצרת, ששחטן שלא לשמן, לא קדש עליכם. On parle sur le korban, du korban toda. Le korban toda, ça veut dire quelques mishnayot qu'on en parle déjà. On doit l'apporter un animal avec 40 pains. Et il y a des halakhot particulières. Les pains, à partir du moment, d'abord je donne une halakha générale, à partir du moment, c'est la notion qu'on va voir rapporter systématiquement kadash alechem. Dès que je vais égorger le korban toda, alors, on va prendre un mouton par exemple. Dès qu'on va égorger le mouton, eh bien, les 40 pains, ils vont devenir kadosh. Ils avaient déjà un premier niveau de gdusha, mais en tout cas, ils vont devenir maintenant kadosh avec une gdusha de korban, de manière à ce que l'animal, comme les 40 pains, devront être consommés nécessairement dans la journée qui suit et la nuit qui suit. Pas deux jours, pas plus. Initialement, donc on a les pains, les 40 pains, qui sont, on peut les consommer quand on veut, même s'ils peuvent avoir une kedusha, dès qu'on va égorger le korban, ils vont devenir kedoshim. Ils vont devenir kedoshim et vont prendre le même statut que le korban toda. On avait appris déjà dans le Perek Gimel, déjà une petite notion par rapport au pigoul, que la marchava de l'un influence sur l'autre ou non, ça dépend du cas. D'accord, ça devient une partie intégrante du korban, ça devient le pain avec lequel on va manger le korban. Maintenant, la Mishnah, elle va nous entrer dans plusieurs situations où le pain, il va pas être kadosh avec l'animal pour plusieurs raisons. Par exemple, il était trop loin. Par exemple, il n'avait pas fini de cuire. Alors dans ce cas-là, le korban, il va pas sanctifier les pains. Et une halakha qu'on avait déjà appris, j'ai beaucoup peiné pour préparer cette mishnah. Ça fait à peu près une heure et demie que je suis en train de chercher. Mais Baruch Hashem, je vais arriver à quelque chose de clair. On avait appris déjà dans une mishnah, dans le Perek Gimel, que là, je crois que c'était la dernière mishnah du Perek Gimel, où il va marquer là-bas les quatre sortes, quatre espèces du pain, hein, invalides l'un et l'autre. C'est-à-dire, lorsque j'apporte un korban toda, je dois apporter lui, l'animal, et les 40 pains. Les 40 pains forment ensemble une seule mitzvah. Que s'il y a un problème dans un seul pain, qui est manquant par exemple, eh bien, tous les pains ne vont pas être kadosh. On aura raté la mitzvah d'apporter les pains. Qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est en fait sur ça que j'ai peiné beaucoup. D'après ce que j'ai compris du Rambam, il y a là-bas une aga du Rebbe Kveiger, donc Solam Mugdashim, il s'avère que le korban toda doit être consommé en un jour et une nuit. Un korban shlamim, c'est le même principe que le korban toda, c'est la même gdusha, le même niveau de gdusha, sauf qu'il n'a pas les 40 pains, et lui, pour le korban shlamim, on lui donne deux jours et une nuit. Lorsque j'apporte un korban toda en guise de toda, parce que j'ai un devoir, j'ai fait un éder d'apporter un korban toda, j'ai été sauvé d'un accident, et donc je vais apporter un korban toda. Eh bien, je dois donc accomplir mon éder, apporter le korban avec les 40 pains. Si toutefois il y a un pain qui est défectueux, il y a un problème que je ne peux pas apporter les pains, eh bien il s'avère que je n'ai pas apporté la toda, mais mon korban il sera quand même kasher. Il sera comme un shlamim. Là-bas, il rapporte Rebbe Kveiger, au nom du Mahari Alfanderi, qu'on pourra le consommer en deux jours et une nuit. Le korban toda, il deviendra dans ce cas-là comme un shlamim. Peut-être c'est discuté, est-ce que ça peut mettre on a deux jours et une nuit, je ne sais pas pourquoi. Le Kver, il le mentionne comme si c'était un chidouche. Je n'ai pas approfondi plus. Dès que j'ai trouvé cette halakha, j'étais content. D'accord, en tout cas, ça devient un shlamim en le consommant tel quel, mais il faudra apporter un autre korban avec les 40 pains. D'accord. Alors maintenant, on va entrer dans plusieurs situations, à savoir, est-ce que les pains vont être considérés comme des pains pour être consommés. Et on commence le premier cas. Ashochet et atoda bifnim, velachma chutz lachoma. Celui qui va égorger le korban toda, et son pain, il l'a oublié, il l'a laissé à l'extérieur des murailles.
Michutz lechomat bet pagi, la dernière muraille qui entourait Jérusalem, donc c'est plus considéré comme le pain, il est à l'extérieur de Jérusalem. Et bien dans ce cas-là, lo kadash alechem, le pain n'a pas été sanctifié. C'est-à-dire le pain n'a pas été sanctifié, donc ça implique aussi tout ce que je vous ai dit. Donc c'est un korban toda qui n'a plus de pain, donc c'est plus un korban toda, ça qui n'est plus de la mitzvah d'apporter le toda, il faudra rapporter un autre toda avec le pain, mais ce korban toda il pourrait être consommé, et même comme un shlamim. D'accord? On continue. Shrata adchelo karmu batanur. S'il a égorgé le korban, alors que le pain n'avait pas encore fini de cuire au four, qu'on appelle karmu panea. Ils ont la face, elle brunit. Je crois que c'est discuté dans Shabbat. Est-ce que la face, vous savez, on prenait les pitotes, on les collait contre la paroi du four, et je crois que c'est discuté. Est-ce que c'est la paroi qui est collée au four qui doit commencer à se durcir, ou est-ce qu'au contraire c'est la paroi qui est face au feu qui doit commencer à se durcir, brunir? En tout cas, il y a un shiur qu'on appelle karmu panea. Donc lui, il a fait le korban toda avec intention de, il avait laissé les pains, ils n'étaient pas dans le Beth Amikdash, il les avait laissés dans Jérusalem ou bien dans Arabaït, il y avait un lieu, le Rambam y rapporte qu'il y avait un endroit qui s'appelait Beth Bagi, où là il y avait un endroit où on cuisait spécialement les pains. Et donc lui, il était pressé, il y avait du monde, il a dit, bon, pour le moment j'ai l'occasion, je gorge tout de suite le korban toda, comme ça déjà j'ai déjà aspergé le sang par exemple, et le pain il n'avait pas encore récupéré du cuistot, il était encore en train de le faire cuire, il était encore dans le four. Donc, lo karmu panea, ou encore même, vafilu karmu kulam chutz me'echad mehem. Tous ils ont déjà commencé à cuire, ils ont déjà un niveau de cuisson correct, sauf un seul, et bien lo kadash alechem, on va lui dire, mon cher ami, tu ne t'es pas acquitté de ta mitzvah du korban toda. Tu n'as pas apporté les 40 pains. Le korban que tu as fait, on pourra le consommer. Le pain, il n'est pas kadosh. Tu récupéreras les 40 pains et tu apporteras un autre korban, un autre mouton. Shrata, chutz lezmana ve chutz limkoma, kadash alechem. Là, par contre, c'est une leçon qu'on avait déjà pris dans le périgimel. S'il a égorgé le korban toda avec intention de le manger au-delà des limites de temps ou d'espace permis, alors dans ce cas-là, Kadash Enechem, il aura sanctifié le pain, et le pain il sera pigoul comme le korban. Pigoul si c'était Chosezmana, ou Pasoul si c'est Chosezmkomo, on ne pourra plus manger ce pain. Shrata venimtset treifa lo Kadash Enechem. On parle maintenant d'un cas simple. Il a égorgé le korban toda, il avait les 40 pains, il était tout fier de faire son korban toda. Le Kohen il commence à la dépecer, il arrive dans un membre interne, il réalise qu'elle était treifa. Il était mourant l'animal, ouais, avec toutes les tréfautes qui sont explicites dans Rouline. Il y avait par exemple un nekev, un trou dans le véchette, un trou dans les poumons, toutes sortes de tréfautes. Alors, la Mishnah enseigne, massage que le pain, il n'a pas été kadosh. C'est pas grave. C'est-à-dire, le korban, il a été raté. Mais puisqu'il a été raté, il n'y a pas eu de korban toda du tout. À la différence de Khus Lismano et Khus Lemkomo, où là-bas, tu as fait un korban toda, mais mal. Là, cette fois-ci, d'Abichlal, tu n'as pas fait de korban toda. En l'occurrence, le pain, il n'est pas kadosh, parce que c'était une erreur, la shrita, elle ne va pas prendre un statut de shrita de korban. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Rabbi, shrata venimtset ba'alat mum, donc, shrata venimtset treifa, non, excusez-moi. D'abord, tout, shrata venimtset treifa, sur ça, il n'y a pas de discussion. Lo kadash alechem, le pain, il n'est pas kadosh. Alors, shrata venimtset ba'alat mum, si toutefois, il a égorgé, mais il a vu qu'elle n'était pas treifa, mais qu'elle avait plutôt un mum, c'est-à-dire le corban, l'animal il était tout à fait viable, seulement il avait un défaut apparent, or il faut apporter tamim. La Torah nous dit toujours tamim entier. Tamim, zachar tamim yakrivenu, c'est dit dans le début de Vaikra. Tamim ça veut dire entier, qu'il n'y ait pas de moum, qu'il n'y ait pas de défaut, qu'il ne soit pas boiteux, qu'il n'ait pas un jaune plus court que l'autre. Et tout ça, toutes sortes de moumim qui sont explicites, je crois, dans la Sekhet Prohot. Eh bien, le corban il n'est pas saoul s'il était bas le moum. Donc justement, et on a, alors ça va être la vie de Chachamim, mais Rabbi Eliezer il va discuter, on va expliquer pourquoi il discute. Rabbi Eliezer Omer Kadash, Chachamim Omer Lo Kadash. Chachamim ils ont dit Lo Kadash. Le Korban, la Shrita du Baal Moum, c'était une erreur de parcours. T'as pas fait de Shrita de Korban, donc le pain il n'est pas devenu Kadosh, t'apporteras un autre animal et tu pourras utiliser les 40 pains. Tandis que Rabbi Eliezer va nous dire non, le pain il est devenu Kadosh et ils pourront plus être consommés, bien sûr, ils vont devenir invalides à la consommation. Je m'avance, je ne l'ai pas vu écrit, je pense que c'est très logique, mais c'est peut-être dans les sujets que je ne connais pas, on ne sait jamais, des fois un petit détail peut vous changer la donne.
À mon avis, le pain, on ne pourra pas le manger, mais il est devenu kadosh. Le principe de la mitzvah, ça veut dire est-ce qu'elle était mitkadesh, c'est-à-dire il a été sanctifié et non consommable en l'occurrence. Maintenant, le Barthénora précise que l'on parle de défauts qui sont dukin shebain, un tout petit défaut qui est dans les yeux des animaux, ou même ça peut être encore dans quelque chose qui est presque pas visible. Et là, il y a une halakha particulière qu'on apprenait cette fois-ci dans Zvachim, que si par erreur on a pris un tel corban et on l'a fait monter après coup sur le Mizbeach, on le fera plus redescendre. Parce qu'un Mizbeach Mekadesh, on avait appris cette notion de Mizbeach Mekadesh, il y avait un perek entier dans Zvachim, que le Mizbeach il sanctifie, il va valider a posteriori des corbanotes qui sont déjà montés chez lui, il faudra les laisser. En l'occurrence, un des corbanotes qui peut faire monter le corban, c'est justement, c'était une petite discussion là-bas, mais en tout cas un des corbanes, c'est celui qui a le défaut de Dukin Shebaïn, des petites peaux qui lui poussent dans les yeux. A posteriori, ça marche, c'est un bon corban. De ce fait, ça va faire que le statut de la Shrita, c'est une Shrita de corban. D'accord ? Chachamim omrim lo kadash. Maintenant, Shrata chez l'Olishma. S'il a égorgé chez l'Olishma, il avait un corban Toda, mais quand il a égorgé, il s'est dit je suis en train d'égorger un Hacham, par exemple. Ou encore, Vechen Eil Hamilouim. Idem encore avec le Eil Hamilouim et les Shnei Kivse Atzeret. Alors, les Eil Hamilouim, tout le Eil Nazirola, et le Barthénora précise, ça m'a un peu déstabilisé. Je savais que c'était là avec le Eil Hanazir, mais pas avec le Eil Hamilouim. Il y a deux choses. Eil Hanazir, jusqu'à maintenant, on a parlé du Korban Toda. Le Korban Toda, c'est un Shlamim sur lequel il faut apporter 40 pains. Il y a la même chose avec le Nazir où il faudra apporter 20 pains. D'accord ? On les apprenait dans la Mishnah précédente ou deux en arrière. Il faut apporter 20 pains pour le Nazir. Il y a eu la même chose ici dans l'histoire, c'était le Eil Hamilouim, où c'était lorsqu'on a inauguré le Mishkan dans la Torah, avec Moshe et Aaron. Alors là-bas, il fallait aussi apporter un Eil Hamilouim aussi. Un Eil qui était Shlamim, et lui apporter aussi des pains. Idem aussi pour le Vechen Shnei Kivsei Atzeret, les deux Kivsei Atzeret, les Korbanot, vous vous rappelez du rituel de Shavuot où il fallait apporter deux Kfasim, qui étaient des Shalmei Tzibur, apporter avec eux deux grands pains, on devait faire tout un Tekes, tout un rituel de balancer tout ça, de balancer les animaux, et puis après, les pains étaient consommés par les Kohanim. Et là-bas, il fallait aussi qu'il y ait donc deux pains et deux Kvasim. Et si on a égorgé les Korbanot chez l'Olishman, pas en leur nom, d'accord ? Donc, en fait, on a toute la série des Korbanot qui ont été évoqués dans la Mishnah, où il y a des pains qui viennent avec eux, et qu'on a égorgé les Korbanot chez l'Olishman. La Lachal va me dire, en général, tous les évars qu'on a fait chez l'Olishman, ils sont cachers seulement, on ne s'est pas quitté de la mitzvah, et bien malgré tout, l'eau, kadash, alechem, le pain n'a pas été sanctifié, parce que dans ce cas-là, tu n'as pas eu d'intention de sanctifier le pain, puisque tu avais voulu faire un autre korban. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.